Il est venu le temps du collège où il commence à s'y perdre, se sentant constamment pris au piège, et il perd tous ses repères. Il reste meurtri dans son silence. Pour lui, sa vie n'a plus aucun sens. Pouvoir s'en sortir, il voudrait en finir de penser au pire, mais tout le monde le tyrannise. Il croit tout ce que les gens pensent. Pour lui, sa vie n'a plus aucun sens. Il perd en lui toute sa confiance. Tous ces gens n'ont pas de conscience. Il n'arrive pas à briser la glace, mais devant la glace, il se brise. Personne ne lui accorde sa place, mais tout le monde le tyrannise. Il vit un calvaire, il ne sait vraiment plus quoi faire pour se sortir de ce spleen. À petit feu, le méant ruine. C'est un calvaire qui le rend ainsi vulnérable, tellement misérable. Passer outre cette arrogance pour lutter à toutes ses puissances, il a besoin d'une boussole, d'une épaule qui le console. Parfois il se noie dans un verre d'eau, il reste immobile sur le plongeoir, heurté dans son propre ego. Il se perd dans ses idées noires. Il voudrait guérir, il voudrait revivre, sans jamais faiblir, retrouver le sourire. Il vit un calvaire, il ne sait vraiment plus quoi faire pour se sortir de ce spleen. À petit feu, le méant ruine. C'est un calvaire qui le rend ainsi vulnérable, tellement misérable. Seulement quand vient la nuit, quand le monde s'assoupit, il fait le point dans sa vie, qu'un guerrier sommeille en lui. Il aura fallu qu'un beau jour, où cet rageux vivra parer, entouré de tous ses vautours, plus rien ne pourra l'arrêter. Il a duré ses forces dans sa faiblesse, de voir tant mort la poussière. Il s'est fabriqué une forteresse, il s'est forgé un caractère. Il avance dans l'ombre et la lumière, visant à affronter tous ses regards, de tous ses gens et certaines vipères, dans sa mystérieuse victoire. Se sortir de ce spleen, à petit feu, le méant ruine. C'est un calvaire qui le rend ainsi vulnérable, tellement misérable, tellement misérable.